Qu'est-ce que c'est ça? C'est une vie qui a commencé à faire de la peinture. Ben là! C'est horrible. Oh. Ah, c'est pas si pire, c'est bien peinturé. On voit même pas les numéros en dessous. Ça fait combien de temps qu'elle fait de la peinture? Ben, elle a commencé à suivre des cours là, à la ville là, depuis 3 mois. Avoir doublé. On dirait une carte de Noël de l'UNICEF. Pour tout le jeu. Ben, des petits copains. Vous regardez mon tableau? Eh oui, oui, c'est oui, ça. Oui. Puis comment vous le trouvez? C'est beau. Ah, c'est moi, ça me vient me chercher, ça me bouleverse. Merci, c'est gentil. Toi, Guy, même tes chums aiment ce que je fais. Ben oui, hein? Non, je vais commencer à penser, Guy, que t'es jaloux de mon talent. Oh, les gars, je pourrais vous en faire chacun un pour votre fête? Non. Ah, oui, comment? C'est pas accepté, les gars. Oui. Hey. Ah ouais, de bois. Hey. Ouais. En tout cas, ouais. Pensez-y, les gars. Ah non, ça serait super le fun. Moi, je suis partant, en tout cas. Ça vous tente, là? De quoi ça? De quoi vous parlez? Ah, c'est parce qu'on essaie de s'organiser un voyage de golf dans le sud de toutes les quatre. Ah oui? Quand ça? Je sais pas. Début avril, André? Ben, mais peut-être. Hein, c'est moins cher à ce moment-là. OK. Tu connais ça, toi? Alors, j'ai mes chums qui est agent de voyage, là, puis il est supposé m'envoyer brochure. Combien de temps? Ben, je sais pas. 3 ou 4 jours? Non. C'est une semaine minimum, c'est un club. Ah! Oh, hey, ce serait le fun. Je pourrais y aller avec vous autres. Ben, je dirais que vos blondes aussi, là. On pourrait passer nos journées sur la plage, puis vous autres, vous jouez au golf. C'est parce que les couples sont pas admis. Ben, comment ça? C'est un club pour les sportifs. Ouais, 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 c'est ça. C'est les sportifs. Célibataire. Célibataire. Néo. Hein? C'est célibataire? Vous me l'aviez pas dit, les gars! Ouais, ben, je vais t'acheter une thermopompe. André? Un grand moment d'émotion. Je t'ai dit que nos discussions ont changé depuis 20 ans. Une thermopompe, là, on parle de thermopompe. Tu sais qu'il y a 20 ans, on n'avait pas une Christine. On avait peur de travailler, tu sais. D'avoir une famille. On voulait voyager. Ben oui, puis avoir plein de blondes en même temps. C'était les années 70. Oui, c'est la mode qui voulait ça, là. C'est la mode, évidemment. Mm-hmm. Ouais. Ah oui, c'était l'époque de la loto poncho. Oh. Ah, c'est quoi ça, la loto poncho? Ben, dans ce temps-là, toutes les filles avaient des ponchos. Fait que quand tu creusais une fille, tu savais pas si c'était une super belle fille avec 15 épaisseurs de poncho ou bien c'était juste une petite grosse avec un poncho. Moi, c'est toujours juste la petite grosse avec un poncho. C'était encore celle-là. Ouais, tu peux bien rire, toi, c'était un poignet avec un poncho. Aïe, aïe, aïe. Oui. Moi, j'aimerais mieux faire l'amour avec vous, blanc. Comme c'est amusant. Ben, explique-moi ça, Yves. Pourquoi vous aimez mieux regarder une partie de hockey que faire une partie de fesses? C'est bien simple. T'sais, regarder une partie de hockey, là, c'est moins difficile à suivre qu'une femme. Oui, bon. Puis après la partie, tu peux t'endormir sans que personne te traite d'ingrat. Oui, puis c'est vrai. En plus, vous autres, vous pouvez toffer 3 périodes. Tandis que Guy, lui, là... Les gars, vous ne prendrez rien d'autre bien? Non, mais vous autres, en perdez-vous de la vigueur, là, vieillissant? En perdez-vous de ça? C'est bien? Je vais la prendre. Oui, oui. Je vais jouer. On va aller chercher des... Oui. Je te dis que... Intéressant. Moi, là, j'ai lu ça, il fait ça à chaque Christy Game, mais Guy, je pense à quoi? Je dis-tu que t'es là ou pas, là? Quoi, ça? Au téléphone? Non, je suis pas là. Puis c'est le bureau? Qui mange la chenoute. Monsieur, c'est bon, ça? C'est... Ah. Allô? Plus que nos membres... Oui, allô, Geneviève? Oui, Guy est là, mais écoute, je suis un petit peu mal à l'aise de dire ça, mais... Fais-tu manger de la chenoute? Ah ouais, crétin! Non, je sais pas pourquoi, non, je... Non, écoute, je suis vraiment désolée. Oh oui. Non, ça m'écarte. Quoi? Geneviève, elle fait dire qu'elle va te donner sa démission demain matin. Oh oui, c'est correct. Ah ouais! Oh!
Pardon. Ben, excusez! Ben, là! Mais Guy, dégueulasse! Ben, il y a des visites, là! Comment? Oh. Ah! Ouais, achète plus cette pizza-là. Ah, bah. Vous pouvez bien engraisser. Regarde-moi ça, là. La pâte graillonne, du fromage, pepperoni. Il n'y a même pas de légumes, ces pizzas-là. C'est tout. Maudit, gars. Qu'est-ce que vous feriez si vous venez le désert, là? Vous faire venir du Saint-Hubert, je sais pas. Ça sent fort. Je peux-tu en avoir un morceau? Non! Fait que là, tu sais, j'étais chez ma belle-mère, Sylvie était en train de parler. C'était mieux. Mm-hmm. J'arrive en arrière. Run, 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 pip, pip. Mais je te dis la bonne chose. Attention. Run, 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 pip, pip. Guy, t'es pas allé leur conter ça? Mais Sylvie, là, c'est pas grave. Mais oui, c'est grave, c'est notre intimité. Non, c'est pas grave, arrête donc. Non, j'ai hâte de faire ça à ma blonde, moi. Bip, bip. Ah, moi, j'ai hâte de faire ça à ta blonde. Moi, je vais faire ça tout seul. Bip, bip. Tu leur as pas conté ce que c'est un arpent vert? Une fille, c'est une fille. Un gars, c'est un gars. Un gars, une fille. Un gars, une fille! C'est quoi un arpent vert? Ben oui, c'est quoi un arpent vert? Oui, oui! Ben, y a-tu des volontaires? Hey. Une fille, c'est une fille. Un gars, c'est un gars. Monsieur! Une fille, c'est une fille. Un gars, c'est un gars. Bagasse. Une fille, c'est une fille. Un gars, c'est un gars. Un gars, une fille. Ouh. Bon. Un, deux, trois, quatre. Ma petite vache à l'eau. Tirons-la par la queue. Reviendra mieux dans un jour ou deux. C'était les miniers. Ouh là là.